Eh bien bonjour et bienvenue sur les vues de la manette. Allez, on va continuer, on va même anticiper. La 3.24 est proche et je pense que d'ici la fin du mois, on devrait l'avoir. Là pour l'instant, les évocatifs ont différents tests. Une fois que ces tests seront concluants, il y aura une PTU qui sera mise en place et on va pouvoir le tester sur le PTU. Mais si le PTU est satisfaisant, ça va passer en live. Donc on sera en 3.24 et donc on va anticiper. Comme vous le savez, il y a eu différentes phases. Hein. Nous sommes toujours en alpha, donc nous sommes là pour tester le jeu, pour que les développeurs aient des datas pour finaliser le jeu à sa sortie. Il y a eu différentes phases. Il y a eu la phase minage, donc ils avaient favorisé le minage pour que les joueurs aillent sur le minage pour avoir du data. Il y a eu la phase salvage. Hein. C'est pour ça que par un moment, on gagnait beaucoup d'argent avec le salvage parce qu'ils incitaient donc indirectement les joueurs à faire du salvage pour avoir des datas. Maintenant, ils ont tout nerfé, que ce soit le minage ou le salvage, parce qu'ils veulent privilégier d'autres gameplays. La 3.24, avec les hangars instanciés et les ascenseurs de fret et les missions de livraison, vont apparaître. Donc, si on suit leur logique, ils vont vouloir que l'on fasse des missions de livraison pour avoir du data. Donc, on va anticiper. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On va anticiper, on va prendre un transporteur, hein, style Kovalex. Donc Kovalex, pour faire la mission de certification, il faut aller sur Arcorp. Voilà, vous avez une mission, la mission d'évaluation, la mission d'évaluation Kovalex, et on va la faire de suite. Elle est très simple, on va chercher un colis, ben voilà, il y a encore une piste avec des débris, et on ne peut pas se poser. On va aller prendre le colis, le livrer et notre évaluation sera finalisée. Et après, vous allez voir pourquoi j'ai choisi Kovalex. Donc profitez de ces moments de visite des différents postes avancés pour looter tout ce qu'il y a dans les caisses. Hein, comme on débute, on a besoin d'argent, tout se vend. Donc ou ça évite d'acheter bien sûr. C'est pas des grosses fortunes, mais des fois on tombe sur des belles tenues, voire des armures légères. Donc tout ça c'est bon à prendre. Donc profitons-en, c'est offert. Voilà, on arrive sur le point de livraison, on appuie sur la machine pour ouvrir le sas et on dépose le colis et la mission est validée, le contrat d'évaluation est effectué. Donc voilà, nous sommes certifiés, nous sommes évalués. Alors pourquoi j'ai pris Kovalex? Il y a peut-être d'autres sociétés, pour l'instant moi j'ai pris Kovalex, je voulais bien choisir un, je l'ai choisi. Parce que Kovalex livre sur tout le verse et principalement sur Hearthstone, Arcorp et Microtech avec les centres de distribution qui sont nouvellement sortis depuis la 3.23. Et donc ce que l'on va faire, c'est que maintenant que nous sommes évalués, on va se diriger sur une des planètes. Donc j'ai pris Microtech, mais vous pouvez choisir Hearthstone si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi j'en profite aussi, comme c'est des missions de livraison, c'est le cas de voyager et de voir de jolis paysages. Et je préfère les paysages de Microtech que les paysages de Hearthstone. Donc on va se rendre direction Microtech et on va voir ce que ça donne.
Voilà, on arrive sur Microtech, on va regarder ce qu'il y a. Donc vous allez voir que dans offre, ça ira mieux. En livraison, voilà, on a beaucoup plus de missions, dont les missions Covalex. Et le gros avantage, c'est que ils sont en général regroupés. Vous voyez, un endroit de récolte, un endroit de livraison, et les missions, elle est faite. C'est assez simple et principalement dans les centres de distribution. Et c'était ça le but, c'est que vous n'avez pas beaucoup de trajets, donc moi je vais en faire une différente à 15 000. Voilà, les colis sont à un seul endroit et après j'ai juste à les dispatcher dans différentes bases, sur différentes lunes qu'il y a au satellite, qu'il y a autour de Microtech, et la mission est faite. Donc c'est assez sympathique à faire. Et le but de tout ça, c'est de développer notre réputation Covalex. Comme ça, dès que la 3.24 sera sortie, eh ben, on aura la réputation. Hein, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce qu'on a pu entendre, il n'y aura pas de wipe sur la 3.24. Donc la réputation, on l'aura et on la gardera. Donc profitons-en. On a le mois de juillet pour développer cette réputation au maximum. Pour avoir de bonnes missions bien juteuses à la 3.24. Voilà, donc je vous laisse découvrir juste un exemple et on se retrouve après. Voilà, la vidéo me fait mentir, hein. Je vous ai dit des beaux paysages, mais bon, la météo n'est pas au rendez-vous, donc bah tant pis, on va continuer quand même, hein, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de faire les missions. Donc vous voyez, les colis sont tous réunis à un même endroit. Donc c'est, bah, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile de plutôt que de ramasser à différents endroits pour le livrer à différents endroits. Là, tout est là. Donc il n'y a plus qu'à charger le vaisseau et à faire nos points de livraison sur les différents sites. Surtout que sur certains sites, des fois, il y a deux ou trois colis à livrer, donc c'est assez rapide. Allez, je vais accélérer un peu et on se retrouve après. Voilà, on arrive sur le dernier colis. Bon, après, vous faites votre série de livraison, hein, sur les différents postes. Hein. Là, il n'y a rien de compliqué. Donc ça, je vais le zapper. C'est pas la peine non plus de vous ennuyer avec des phases de livraison. Ce qui est important à savoir, c'est que il y a aussi des missions où Covalex, sur les centres de distribution, où vous allez chercher, par exemple, un colis au poste de sécurité dans le centre de distribution pour le livrer à l'endroit où je suis. C'est-à-dire à 1,5 km. Donc c'est très rapide. Vous pouvez prendre le mule, par exemple, hein, pour faire des petites distances comme ça. Hein, surtout que sur les côtés, il peut mettre jusqu'à 3 colis de chaque côté, donc 6 colis au total. Et faire vos livraisons avec un mule si vous en avez un. Ou même il y en a qui le font en MPUV. Voilà. Donc c'était intéressant à préciser et à vous faire découvrir tout ça. Donc voilà les amis, donc après les premières vidéos, la tuto que j'ai faite, comment s'équiper gratuitement, comment générer des revenus pour les débutants. Là maintenant vous avez le pied dedans concernant les livraisons et surtout anticiper la 3.24. Hein, comme ça vous perdez pas de temps. Donc continuez à générer des revenus pour pouvoir vous acheter un vaisseau
avec une capacité assez grande quand les missions de livraison sortiront, parce que là ça sera plus du petit colis, ça sera du container. Et continuez à looter, hein, parce que ça c'est offert, hein, donc profitez-en, c'est de l'équipement, c'est de la revente, hein, vous savez faire maintenant, pour les débutants je parle, principalement. Et voilà, c'était le but de cette vidéo, préparer la 3.24. Actuellement, faire des vidéos sur Star, c'est pas facile. C'est beaucoup d'heures d'enregistrement, c'est beaucoup d'heures de montage pour des fois avoir des missions qui sont buggées. Je parle des missions en général, hein. Les serveurs sont pas très stables. On a, comment dire, on a des missions qui sont qui plantent. Tout simplement, donc on perd du temps à enregistrer une mission pour s'apercevoir à la fin que bah, on peut mettre la vidéo à la poubelle parce qu'elle est pas bonne. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux pour vous sortir des vidéos assez souvent, mais c'est pas facile. On espère, parce que je suis pas le seul, hein, on espère avoir une version plus stable et plus finie à 3.24 pour vous sortir des choses intéressantes et palpitantes. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous transmettre comme message. Profitez de ce mois-ci pour vous développer au mieux et générer des revenus pour pouvoir investir dans un vaisseau avec une capacité importante. Voilà les amis, je vous laisse sur ce et je vous dis ciao ciao.